on a choisi la zone de Chemsna pour cette zone pour installer notre unité de menuiserie parce que vu les plusieurs points en fait positifs par rapport à la localisation de la zone industrielle qui est vraiment très proche de Rabat et de Casablanca ainsi que les axes autoroutiers du Maroc de Casablanca vers les autres villes. Ça fait plusieurs mois qu'on a collaboré avec l'équipe de l'Amman Chemsna. Une collaboration dans la durée avec plusieurs milestones, avec plusieurs un cahier de charges détaillé. Donc il fallait suivre un process qui est assez rigoureux pour pouvoir créer cette unité industrielle. Alors notre activité principale, c'est tout ce qui est emballage alimentaire à usage unique. Nous travaillons sur deux sortes d'emballage. L'emballage professionnel dédié au CHR, à la restauration, à l'hôtellerie. Nous avons un portefeuille de clients qui est partagé entre professionnels, entre revendeurs. On a un réseau de revendeurs qui est très important sur tout le Maroc. On travaille avec les grandes surfaces, on travaille avec le domaine du médical, les cliniques, etc. On a développé notre carte et notre marque qui s'appelle Carti. Aussi, on a une autre gamme qui s'intéresse plus aux emballages ménagères. Ça veut dire que c'est tout ce qui est dédié à la femme au foyer, aux anniversaires. On a l'emballage festif pour les fêtes, pour les enfants, les grands, les petits. C'est toujours notre marque Carti que vous pouvez trouver sur le marché traditionnel, sur le réseau traditionnel, aussi sur le réseau moderne. La zone industrielle de Chemsna a effectivement un cahier de charges. L'investisseur qui est intéressé, c'est des lots entre 2500 à 3000 m2 avec un démarrage de prix à 600 dirhams le mètre carré. Et aujourd'hui, c'est à travers des offres de prix. Donc nous avons des propositions jusqu'à 900 dirhams le mètre carré parce que c'est une zone qui est très bien située. Aujourd'hui, cette zone est située dans une nouvelle ville qui aujourd'hui prend de plus en plus de dynamique et d'ampleur. Et en plus, avec une main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre qu'on peut trouver au niveau de la région, puisque vous savez que la région de Rabat, Saleh Kenitra, est la première région universitaire du royaume, avec plusieurs universités, des écoles et des centres de formation.